se passe quelque chose en attendant. Nico, il est allé. Mais tu peux si tu veux. Ok. Oui. Voilà, bienvenue à chacun. On vous invite à rentrer, à prendre place. On va prendre un temps de célébration, on va louer Dieu ensemble, on s'attend à Dieu. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent en live. Bienvenue à chacun. Réjouissez-vous parce que Dieu va se manifester. Amen. Dieu va se manifester, ça va être une belle journée, ça va être une matinée puissante. Donc venez, rentrez, vous pouvez déjà vous lever. On va commencer par un chant de louange et on va couler dans cette célébration avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Levez-vous. Vous qui êtes chez vous, levez-vous aussi. On va passer un temps dans sa présence. Il est déjà là. Il nous attendait. Et on veut l'honorer ce matin. Oh, nos yeux sont sur toi. Fils de Dieu, notre sauveur. Toi, l'image de l'amour. Gloire à ton nom pour tout. L'obscurité et le royaume avance à la vitesse de la lumière. Liberté qui fait vibrer l'atmosphère, chassant les ténèbres alors que le soleil apparaît. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Toute la terre verra son royaume venir. L'espoir des cieux brille comme l'aube du matin. Car pour toujours, il nous donne une vie nouvelle. Non plus aucune crainte ni ténèbres dans sa lumière sans fin. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur. Amen, amen. Que nos yeux sont fixés sur Dieu, que notre regard, que notre affection est tournée vers Lui, que notre attention est tournée vers Lui, toutes les situations changent. Amen. Amen. Et ce matin, c'est ce que nous voulons faire, c'est tourner nos yeux vers Christ. Et j'ai envie de t'encourager, si ce matin tu es dans une situation peut-être où tu as besoin d'une réponse, tu as peut-être besoin de guérison dans ta vie, on va regarder à Christ.
On va regarder à Christ et on va demander un changement de situation dans le nom de Jésus. Vous êtes d'accord juste de tendre vos mains? Merci Saint-Esprit, parce qu'alors que nous fixons nos yeux vers le Christ, vers Jésus, qui est à la droite du Père maintenant, nos situations changent. Quand nous déclarons son nom, qui est un nom qui est au-dessus de tout autre nom, il n'y a pas d'autre nom plus grand que le nom de Jésus. Et lorsque nous déclarons son nom, toutes les situations changent. Maintenant, nous déclarons un changement de situation dans nos vies, là où nous avons besoin. Déclarons un changement de situation sur les maladies aussi. Déclarons des guérisons maintenant dans le nom de Jésus. Mère Saint-Esprit, parce que ton royaume vient ce matin. Et nous voulons continuer à nous attendre à toi. Jamais tu nous déçois. Et jamais tu nous déçois. On ne peut pas excéder notre attente. On ne peut pas avoir une attente trop grande que tu ne peux pas remplir. Plus nous nous attendons à toi, plus tu viens dans nos vies. Ce matin, nous voulons nous attendre à toi pleinement. Viens, Saint-Esprit. Alors que nous élevons, nous allons continuer d'élever le nom de Jésus ce matin dans nos vies. On déclarer que sa présence va venir, qu'il va nous rencontrer. Déclarer ce matin que si tu es là, ce n'est pas un hasard, c'est que Dieu a une rencontre pour toi. Amen. Amen. Il faut le déclarer. Déclare-le ce matin. Dieu a une rencontre pour moi. Dieu a quelque chose de spécial pour moi ce matin. Il faut le déclarer. Déclare-le avec tes bouches. Dieu a quelque chose de spécial pour moi ce matin. Amen, amen. Bienvenue à tous ceux qui sont aussi sur le live. On vous souhaite la bienvenue. Dieu a quelque chose pour toi aussi ce matin qui nous regarde. Là où tu es, dans ton salon, là où tu es, Dieu a quelque chose de spécial pour toi ce matin. Attends-toi à lui parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle. Amen, amen. On va continuer d'élever son nom, de le louer. Descends ton amour, nous a relevés, menant des ténèbres à la lumière. Portons nos chagrins, portons nos fardeaux, soignons nos cœurs. À toi Père, nous élevons nos voix, à toi Père, nous élevons. À toi, Père, nous élevons nos voix, chantant Alléluia. À toi, Père, nous élevons nos voix. À toi, Père, nous élevons nos chants. À toi, Père, nous élevons nos voix, chantant Alléluia. Les chaînes sont brisées, la vue restaurée, tu as ramené les morts à la vie. La mort est vaincue, nous sommes victorieux, car tu es vivant. À toi Père, nous élevons nos voix, à toi Père, nous élevons nos voix. À toi Père, nous élevons nos voix, chantons Alléluia. À toi Père, nous élevons nos voix, à toi Père, nous élevons nos chants. À toi Père, nous élevons nos voix, chantons Alléluia. À toi Père, nous élevons nos voix, à toi Père, nous élevons nos chants. À toi Père, nous élevons nos voix, chantons Alléluia. À toi Père, nous élevons nos voix, à toi Père, nous élevons nos chants. À toi Père, nous élevons nos voix, chantons Alléluia. Alléluia, chantons Alléluia. Alléluia, chantons Alléluia. Alléluia.
notre Père, nous élevons nos voix, chantant Alléluia. À toi, Père, nous élevons nos voix. À toi, Père, nous élevons nos chants. À toi, Père, nous élevons nos voix, chantant Alléluia. Tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi. De ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi. Consolateur, divin rocher,
D'être dans ta présence, Père. Tu es là, tu es tangible. Et on a juste envie de toucher ta robe, Jésus. Merci parce que ta présence est tellement, tellement lourde, j'ai envie de dire, tellement là. Prenons juste le temps d'apprécier cette présence. Autour de moi, et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids d'un sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Il est avec moi dans le feu. T'as quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrive de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce nom, et je sais que je ne serai jamais, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Moi dans le feu, oh, il est avec moi dans le feu, oh, je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui, j'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Rien ne peut nous séparer.
comme le nom de Jésus. Lui qui était, qui est et qui sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans les feux, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans les feux, car je sais que tu es là. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Amen, la puissance de Dieu est là dans cette pièce. Alors qu'on va continuer pour rester debout, on va simplement continuer à être dans sa présence. Et je crois que Saint-Esprit est en train de toucher des gens ce matin. Mais je crois qu'on doit juste encore pousser un petit peu. Vous êtes d'accord de vous relever? Après, vous pourrez tout le message, vous pourrez rester assis. Sauf Werner, si vous, vous soyez debout tout le long. Non, vous pourrez rester assis, mais on se relève. Puis je crois que c'est important des fois juste de pousser un peu plus pour aller rechercher sa présence, pour aller rechercher les percées. Et si vous êtes d'accord juste d'étendre vos mains et qu'on accueille cette présence encore davantage, Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit. Nous sommes un peuple affamé, nous sommes une communauté affamée de ta présence. Une communauté qui souhaitons le réveil dans nos vies, qui souhaitons le réveil dans nos villages, dans nos villes, qui souhaitons le réveil dans notre pays. Saint-Esprit, viens, viens. Vois notre soif. Notre faim et notre soif de ta présence, notre faim et notre soif de ton royaume. Ce matin, nous voulons continuer de te chercher pour nos vies, pour nos familles. Viens, Saint-Esprit, vous êtes d'accord qu'on puisse simplement prier dans ces langues, dans les langues du ciel. Viens, Saint-Esprit, élevez vos voix simplement. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence qui est là. Viens, Saint-Esprit, parce que tu viens toucher des corps ce matin. Et je crois ce matin, on va prendre un temps de Sainte-Cène. Je crois que je vais le faire au début, je vais le faire à ce moment-là.
si l'équipe pouvait déjà commencer à distribuer la Sainte Cène. Et je vais vous lire le texte de la Sainte Cène, il est trouvé dans plusieurs évangiles dans la Bible. Je vais vous lire celui dans Marc 14. Alors que les disciples étaient réunis dans la chambre haute, il est dit, pendant qu'ils mangeaient, il prit du pain, après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit alors, « C'est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour une multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du produit de la vigne jusqu'au jour où je boirai à nouveau dans le royaume de Dieu. » Jésus est venu sur terre faire la volonté parfaite du Père. Il est venu et a vécu une vie sans faute. Il est venu pour nous montrer le chemin, il est venu pour montrer un exemple. Et alors qu'on va prendre cette Sainte Cène en quelques minutes, je crois qu'il y a une déclaration, non seulement il y a une déclaration qui est faite dans le monde spirituel, mais j'ai envie ce matin qu'on puisse se saisir de cette Sainte Cène comme salut trinitaire. Jésus n'est pas seulement venu pour sauver nos âmes, il est venu pour sauver nos corps, il est venu pour sauver nos esprits et il est venu aussi pour sauver nos âmes. Le mot qui est utilisé à chaque fois que Jésus est marqué qu'il a sauvé quelqu'un, c'est le mot sozo, qui veut dire sauver, guérir, délivrer. C'est ce salut trinitaire de nos vies. Et ce matin, je crois que certains d'entre vous devaient encore expérimenter ce salut trinitaire, ce salut corps, âme et esprit dans nos vies. Et on va prendre, j'ai envie qu'on puisse prendre cette Sainte Cène et aller rechercher ce salut dans nos corps, ce salut dans nos âmes, ce salut dans nos esprits. Et je crois qu'on va pouvoir expérimenter aussi la guérison sur nos vies. Vous pouvez sans autre commencer à distribuer. On va expérimenter la guérison sur nos corps, on va expérimenter la délivrance dans nos âmes et la vie dans nos esprits. Amen. Amen. Alors j'ai envie qu'on puisse prendre ça. Si vous avez des besoins physiques, si vous avez besoin de guérison dans votre corps, si vous avez besoin de délivrance, prenez ça comme non seulement un signe prophétique, mais comme une déclaration qu'aujourd'hui est le jour du salut. Qu'aujourd'hui est le jour où je suis sauvé, guéri et délivré dans ma vie. Et j'ai envie de prier pour tous ceux qui sont là, et peut-être que vous avez besoin de guérison dans vos corps. Et je prie maintenant, ce matin, pour la guérison dans le nom de Jésus. Je déclare qu'alors que nous buvons ce sang de Christ qui vient nous libérer, qui vient nous racheter, alors que nous mangeons ce pain, le corps de Christ qui est mort à la croix pour nos péchés, nos maladies, je déclare la guérison sur vos corps dans le nom de Jésus. La guérison sur vos corps dans le nom de Jésus. Mère Saint-Esprit, il y a plusieurs personnes, vous avez des douleurs au niveau je crois quelqu'un qui a une douleur au niveau des cervicales C4 et C5. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une douleur au niveau des cervicales C4 et C5? Je vois vraiment ce nombre-là, C4, C5. Dieu veut vous guérir, Dieu veut vous guérir vos cervicales, Dieu veut vous enlever les pressions sur vos corps. Et alors que vous allez prendre cette Sainte Cène, Dieu vient venir guérir vos corps dans le nom de Jésus. Et nous prions aussi maintenant pour la délivrance sur nos vies, toutes les choses qui nous affligent, toutes les choses qui nous retiennent captifs. Jésus, nous nous saisissons de ta vie, nous nous saisissons de ce salut trinitaire sur nos vies. Et peut-être ce matin, tu as besoin d'une délivrance, tu as besoin d'une délivrance dans ton esprit, tu as besoin peut-être de recevoir la vie dans ton esprit. Je vais déclarer maintenant dans le nom de Jésus que tu reçoives ce Saint-Esprit qui vient raviver ton esprit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Si ce matin peut-être tu expérimentes aussi de la dépression, de la colère, tu expérimentes des choses comme ça, de l'anxiété, je vais déclarer maintenant la liberté sur ta vie dans le nom de Jésus. Et ensemble nous voulons te remercier Jésus pour ce que tu as fait à la croix, que tu as versé ton sang, que tu as donné ton corps pour nous sauver dans le nom de Jésus. On va reprendre un dernier chant et j'ai envie pendant ce temps vraiment que vous puissiez continuer à déclarer ça avant qu'on continue cette célébration, que vous puissiez déclarer ça sur vos vies. Que Dieu est là, que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Reprenons encore un dernier chant alors que la Sainte Cène va continuer de circuler. Vous puissiez la prendre avec la foi, avec la conviction que Dieu vient agir. Amen. Te donnons la gloire et l'honneur,
Nous élevons nos mains vers toi, nous proclamons ton saint nom, nous te donnons la gloire et l'honneur. Nous élevons nos mains vers toi, nous proclamons ton saint nom, car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles, il n'y a personne comme toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles, il n'y a personne comme toi, nul. Nous te donnons la gloire et l'honneur. Nous élevons nos mains vers toi. Nous proclamons ton saint nom. Nous te donnons la gloire et l'honneur. Nous élevons nos mains vers toi. Nous proclamons ton saint nom, car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles, il n'y a personne comme toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles, il n'y a personne comme toi. Il n'est comparable.
Alléluia, Seigneur. On veut élever ta grandeur. On veut élever ton nom. Et on veut te dire combien on t'aime, Seigneur. Combien on aime ta présence. Combien c'est bon d'être avec toi. Merci pour ce que tu nous permets de vivre dans ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu nous rejoins dans tous les domaines de notre vie. Je crois que le Seigneur voulait encore parler à plusieurs personnes ce matin, que tu sois ici, chez toi. Le Seigneur te dit, je veux te donner mon regard sur ta situation. Je veux te donner de voir les choses avec mes yeux. Et tu vas commencer à voir ce qui est possible. Tu vas commencer à voir ce qui peut se réaliser. Tu vas commencer à voir ce qui peut changer. Parce que mon regard, c'est le regard du possible. C'est un regard surnaturel sur ta situation. Accueille le regard de Dieu ce matin. Demande à Dieu de te parler sur la situation que tu vis, de te montrer comment lui voit les choses. Quelle est sa perception, son regard sur ta situation. Alléluia. Alléluia. On a le privilège ce matin d'avoir un témoignage un peu différent. On va entendre le témoignage de François Clotu. Et en fait, François, plusieurs nous ont dit, mais qu'est-ce qu'il en est avec François? Parce que sur la convocation de l'Assemblée générale, c'était marqué « changement de statut de François Clotu ». Donc François est simplement arrivé à l'âge de la retraite au mois de novembre, ce mois-ci. Alors on aurait beaucoup aimé l'avoir avec nous, mais malheureusement, dimanche passé, il était malade. Et puis ce dimanche, c'est sa femme qui lui a organisé une surprise pour fêter ce temps. Alors on a fait un enregistrement et je voulais juste écouter ce que François veut nous partager. Ensuite de quoi, je reprendrai la parole. Okay. Alors bonjour à tout le monde, je me réjouis d'être parmi vous ce matin. Mois de novembre, un mois particulier cette année puisque je fête mon anniversaire et un anniversaire spécial puisqu'il marque l'entrée officielle à la retraite. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous partager quelques mots d'un peu ce parcours. Alors je suis arrivé, c'était pas le GCO à l'époque, c'était l'EHRO. Je suis arrivé au sein de l'EHRO il y a environ 25 ans. Et on sortait d'une période qui était assez particulière. J'avais été avec mon épouse, on avait été dans un ministère pastoral, on a été conduit à devoir arrêter suite à une grosse épreuve de santé, une dépression dans la vie de mon épouse. Et quand on est arrivé à l'EHRO, on a été contacté avec Werner à l'époque et je lui avais dit, écoute Werner, nous on sort vraiment d'une grosse période là, on aurait besoin d'être un peu discret, on ne souhaiterait pas forcément qu'on dise, voilà, c'est le couple pastoral et que tout le monde vienne chez nous parce qu'on est vraiment dans une période de restauration. Et Werner nous a dit, il n'y a pas de souci, laissez-vous restaurer, laissez-vous aimer, guérir par le Seigneur. Et quand les forces seront revenues, vous saurez bien que ce sera le moment de servir de nouveau. Et puis ça s'est passé comme ça. Il y a eu tout un temps de restauration. Et il y a eu un moment où on a vraiment pris conscience que l'appel sur notre vie, c'était spécifiquement un appel et un ministère pour la relation d'aide. Donc on s'est formé avec mon épouse, on a suivi l'école de Forac pendant 3 ans. Et ensuite, on s'est formé parmi les couples pendant 2 ans. On a eu le privilège aussi de pouvoir accompagner Manfred Engeli. Je pense que vous avez déjà entendu parler de lui, hein, ce docteur en psychologie chrétien. Et on a eu l'occasion d'être formé par lui. On a eu l'occasion d'être supervisé par lui. Et pendant 5 ans, on a aussi eu l'occasion de travailler à ses côtés. C'était un potentiel, une richesse impressionnant qui a impacté ma vie. Et avec tout ce potentiel, on ne voulait pas juste le garder pour nous. On a eu à cœur de commencer à le transmettre. Donc dans cette transmission, ça a commencé par des entretiens au sein de l'Église. Et puis il y avait 2-3 entretiens, 4-5, 10. Et après, ça arrivait à des centaines d'entretiens. Et on a passé d'un 20% à un 40%. Et puis là, ça continuait d'augmenter. Et je me suis mis à avoir 3 mois d'attente. Alors c'était des fois un peu compliqué, dans des situations un peu d'urgence. Et ça fait naître en nous ce désir de dire, mais on ne va pas rester tout seul, on veut vraiment monter une équipe. Et c'est comme ça que l'équipe que vous connaissez sous le nom de L'Envol est née. On a vraiment apprécié de cheminer avec cette équipe qui existe toujours, qui est toujours là au service. Et ça a été un peu ce chemin où petit à petit, on a un petit peu fait une sorte de petite statistique et de réaliser que les 3 mois d'attente ont été en diminuant. Et en parallèle, l'équipe de L'Envol arrivait à assumer plus de 1000 entretiens par année. Et ça a commencé à être tout un début de développement ainsi. Et
C'était aussi intéressant de pouvoir lever, et je tiens à relever notre reconnaissance pour cette équipe de l'Envol, pour leur soutien, pour leur engagement, leur consécration. Ils ont été très souvent à nos côtés quand le ministère m'a appelé à partir à l'extérieur, dans la prière, dans l'intercession. Et au sein du GCO, on a eu toute une période où on a été accompagné dans le leadership hein, avec les Juvet et Catherine Jacquet. Et dans cet accompagnement, on a fait un peu un bilan, on a fait tout un travail pour définir tout ce qu'était la relation d'aide. Et à un moment, ils nous ont vraiment dit, ben, vous avez fait quelque part, vous avez fait un travail de pionnier au niveau de tout ce qui est de la relation d'aide, vous avez professionnalisé le domaine de la relation d'aide. Et je trouvais intéressant que ce travail de pionnier, quelque part, il correspond pas mal à l'ADN du GCO, cet ADN apostolique où on n'est pas juste comme ça centré sur nous, mais il y a quelque chose dans un sens de multiplication. Et cette dimension pionnière, elle m'a habité dans le sens aussi de pouvoir accompagner, par exemple, un projet de formation à la relation d'aide sur la Bretagne pendant 2 ans. J'ai connu le TGV, j'ai connu l'avion, etc. Et aujourd'hui, c'est intéressant qu'ils ont un centre de formation sur la Bretagne et qu'ils ont un centre de relations d'aide. Donc, ça a été vraiment un investissement, mais dans la dimension de porter du fruit qui demeure. Ça n'a pas été sans enjeu. Je me souviens d'une fois où il y avait, par exemple, un accident sur la route. J'ai pris du retard et puis j'ai loupé mon avion. Je suis arrivé une fois en Bretagne. C'était une semaine de ministère où il y avait beaucoup d'accompagnement. Il y avait pas mal d'enjeux. Il y avait de la délivrance. Et puis, j'ai su ce que c'était de connaître des insomnies. J'ai connu aussi des fois des périodes où j'ai été arrêté par la maladie. Donc, il y a eu comme ça différents enjeux. Mais on a toujours appris à avoir la grâce de Dieu. J'ai aussi appris à être toujours plus prudent, à me placer sous la protection du Seigneur, ainsi que ma famille, tous nos biens. Et on a aussi souvent demandé l'intercession de l'Envol. J'aimerais vous profiter de vous remercier, vous l'Église, pour toutes les fois où vous avez aussi prié par le bulletin, quand on disait que des gens étaient dans le ministère. C'est tellement précieux, ça fait la différence. Et puis depuis la Bretagne, il y a eu aussi tout un développement d'un centre de relations d'aide à Valence. La même chose, formation. Mettre en route un centre, tout a dû s'arrêter suite au décès d'un collaborateur. Et puis aujourd'hui, il y a une équipe qui est motivée et qui nous demande de les coacher parce qu'ils veulent reprendre le relais. Et je trouve ça très motivant de pouvoir être à l'arrière, de les encourager, de les coacher. Ça se fait bien sûr beaucoup par Zoom actuellement. Et puis toujours dans cette dimension un peu pionnière, je trouve intéressant que de temps en temps, ça a été l'occasion de faire, par exemple, pour changer de la Bretagne et de Valence, tout de même, au bout d'un moment, il faut varier. Alors, il y a eu un petit saut jusque sur la Bretagne, jusque sur Madagascar. Et puis, comme je trouvais que Madagascar, c'était un petit peu loin, alors au bout d'un moment, ça a été des vols ou des TGV un peu plus courts sur Paris. Et je me souviens aussi de 3 week-ends où on donnait une formation sur les bases de la relation d'aide à des leaders à Paris. Et là aussi, des fois des surprises, j'allais prendre mon TGV à Valorbe et le moteur de ma voiture s'est emballé sans aucune raison. Il est monté dans les tours et le moteur a serré. Donc j'ai loupé le TGV et j'ai pris le suivant et je suis arrivé dans la nuit du vendredi et j'enseignais le samedi et le dimanche et l'après-midi, on enseignait le matin et l'après-midi, c'était tout des temps d'exercice du ministère. Voilà, c'est un peu des petites anecdotes, mais ce n'est pas un fleuve tranquille, mais un parcours comme ça qui a été riche, qui a été précieux. Et puis, tout, un peu plus près de chez nous, il y a tout le développement de l'Envol, on en a parlé. On a eu l'occasion d'accompagner une antenne aussi de relations d'aide sur Moudon. Et puis, dans la suite aujourd'hui, je suis vraiment dans une période de transmission, une période où j'aime énormément imaginer ça, d'avoir certaines contraintes, certaines choses qui ne sont plus là par cette période de retraite, mais de l'espace pour rentrer dans des œuvres que j'avais déjà commencées, mais où je manquais de temps. Et aujourd'hui, c'est vraiment une période de transmission où j'ai, par exemple, pour 2022, plusieurs demandes de stage. Il y a 5-6 demandes actuellement qui sont agendées. Et je trouve intéressant de voir que j'ai des demandes de personnes, par exemple, des médecins chrétiens qui désirent venir faire un stage, des psychologues chrétiens. J'ai même eu 2 médecins psychiatres. Donc, c'est assez étonnant comme ça, comme Dieu conduit cette possibilité de transmettre toute cette dimension de la vie de l'esprit. Il y a aussi des fois une dimension de délivrance, une dimension de guérison intérieure. Et c'est une motivation où je suis un peu à fond dans ce domaine-là, parce que j'aime beaucoup cette notion de ne pas être une étoile filante, puis le jour où je me mourrai, plus rien, mais vraiment de chercher à porter du fruit qui demeure, de penser long terme. Et j'ai envie de vous souhaiter à vous,
tous les membres de l'Église de continuer d'être dans ce discernement. Quels sont vos dons, quels sont vos appels, comment vous pouvez servir. On a tous des dons différents, mais j'ai envie de demander la bénédiction de Dieu sur vous, un équipement de son esprit pour qu'on puisse ensemble travailler pour l'avancement du royaume. En tout cas, je vous aime beaucoup. Merci pour votre confiance, pour vos prières. Soyez abondamment bénis avec tout notre amour, avec aussi tout l'amour de mon épouse. Et on se réjouit de vous revoir parce qu'on ne va pas quitter le GCO. On va continuer d'être présent, y compris de garder une part d'entretien. Mais en tout cas, avec beaucoup de plaisir d'être parmi vous. Voilà, 20 ans. François a servi pendant 20 ans au sein du GCO, salarié, mais aussi toute une partie qu'il a donnée pour cette église. Et on en est conscient et on est vraiment reconnaissant pour tout ce qu'il a investi. 1000 entretiens par année, peut-être pas sur 20 ans, mais disons déjà sur 10 ans. Ça fait beaucoup de gens rencontrer, des gens d'ici, mais aussi beaucoup de gens d'ailleurs qui viennent ici pour des rendez-vous de relations d'aide. Et on est vraiment reconnaissant pour ça et pour tout l'investissement de François. Alors, on ne va pas juste terminer comme ça. Donc, François va poursuivre son activité. Ce qui change, c'est que il est à la retraite, donc il n'est plus salarié du GCO. Mais il va continuer à avoir des entretiens. Donc, si vous avez besoin de le contacter, il y a toujours le Gospel Info et son numéro de téléphone. Il y a aussi une équipe qui est en train de s'agrandir avec de plus en plus de personnes. Et notre désir, c'est vraiment que ce ministère puisse se poursuivre dans ces prochaines années. Pour ce qui est de François et Martine, on va marquer le coup de manière un petit peu plus officielle dans le courant de l'année prochaine. Ce qu'on a discuté avec eux, c'est qu'on aimerait pouvoir faire une fête où il y a un maximum de personnes de l'Église qui sont là. Et du coup, on va attendre un peu les beaux jours. Comme ça, on ne sera pas limité avec nos passes, nos masques, ceux qui ont le droit de venir, pas venir. Mais on va faire une fête dehors et puis essayer d'avoir un maximum de personnes qui vont pouvoir participer à ce temps. Donc, on remarquera le coup courant de l'année prochaine. On n'a pas encore de date fixée, mais on a vraiment envie d'honorer François et Martine en tant qu'Église pour tout ce qu'ils ont investi. J'aimerais faire encore une annonce pour ces prochains dimanches. Donc, à partir de dimanche prochain, on va commencer une série de Noël. Ça sera pas mal différent de ce qu'on a l'habitude dans nos célébrations, mais on se réjouit vraiment de voir ce que ça va donner, de vivre ce temps ensemble. On a le privilège de le préparer et de savoir que ça va être des moments passionnants, des moments qui vont aussi parler à nos vies, à nos cœurs, en profondeur, autour de ce qui s'est passé dans ce temps de la venue de Christ sur Terre. Et ce qu'on aimerait vous dire, c'est que ce n'est pas juste réservé au GCO, mais je crois que c'est vraiment l'occasion d'inviter des personnes, d'inviter vos amis, vos célébrations. Donc, à partir du 5 jusqu'au 26, 4 célébrations. La prochaine fois, on aura Sophie Bernard qui sera avec nous, pasteur du Gospel Center d'Yverdon. Et on se réjouit vraiment de vivre ce moment. Et ensuite, il y a plein d'autres surprises jusqu'au 26. Donc, ce sera vraiment des temps qui seront fort et oser inviter des personnes, remplir cette salle, ce serait vraiment génial si on peut. Voilà, ouais. Et avant qu'on continue avec le message de Werner, j'ai encore quelques annonces. Bon, déjà de dire que moi j'ai aussi pu bénéficier de la sagesse de François, et que c'était, même si je pense qu'on a une personnalité très différente, lui et moi, j'ai pu bénéficier de toute sa sagesse et vraiment quelqu'un d'extraordinaire et qui m'a aussi beaucoup aidé. Voilà, quelques annonces. La première, c'est qu'on a toujours l'offrande que vous pouvez donner. Alors, on ne passe plus les paniers, comme vous pouvez le constater, mais vous pouvez toujours donner. On a envie de vous remercier pour votre générosité. Et bien sûr, on aura l'offrande de Noël. Durant ces célébrations de Noël, il y aura une offrande qui sera consacrée spéciale à des œuvres. L'une d'entre elles, c'est JAM. JAM, c'est une organisation en Afrique du Sud. Noline, d'ailleurs, est allée servir pendant 3 mois là-bas. C'est une organisation qui va nourrir les enfants, qui s'occupe de beaucoup, beaucoup d'enfants en Afrique du Sud, mais pas seulement, partout en Afrique. Une œuvre extraordinaire. Et l'autre offrande, une partie de l'offrande partira pour Haïti, pour aller reconstruire des écoles qui ont été détruites par le dernier typhon. Donc voilà, ça sera l'offrande de Noël le 12 décembre et on peut passer la vidéo.
kubwa ya TV lakini kwa mkaka kostumu studare shkola lakini kwa pa komera keng lakini kwa pa lanshi sire nkaza na ontenari. Kwa sentirbe kostumu sentare na shkola ta shkevere si kabesa ta fazera si konfomi. Até ir aí, era até nós costumamos lhe falar outro dia, senhor professor, não queremos ir quando estamos com fome. Tenho certeza, se vir aqui a estudar, aí tão cozinhado. Costumo apanhar, só ainda não recebemos nossas provas. Merci déjà pour votre générosité. Sachez aussi que JAM ne nourrit pas seulement, c'est qu'ils ont créé en fait des aliments qui vraiment remplissent tous les besoins nutritionnels des enfants. Donc ils ont vraiment recherché pendant des années à avoir leur repas parfait pour ces enfants. Voilà, c'est ce qu'ils ont, mais c'est un repas qui est vraiment très très bien pensé, réfléchi. L'année prochaine va commencer aussi Tilt, donc Tilt 2022. Le 21 janvier, ça va commencer. Donc, Tilt est un programme pour les pré-adolescents, une préparation à l'adolescence. Donc, on vous encourage à inscrire vos pré-ados ou alors peut-être en parler autour de vous. C'est vraiment un programme extraordinaire et il a de plus en plus de succès. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très, très, très bon. Le 4 décembre, on aura aussi la prochaine soirée Réveil, Miracle et Guérison. Comme vous le savez, avec l'IMG, on a pu reprendre les soirées en présentiel. On en a déjà eu deux et c'était juste extraordinaire. On avait trois publics. Pour vous raconter, peut-être que vous n'avez pas été présents, on avait un public en présentiel, on avait un public via Zoom. Donc, on avait une centaine de personnes sur Zoom. On avait des listes d'attente de 300 personnes qui pouvaient nous suivre en direct et avec lesquelles on avait une interaction. Et tous les publics des réseaux sociaux, YouTube, Facebook, etc. Et des moments vraiment, vraiment, vraiment forts, vraiment puissants. Et on aura la dernière soirée de cette année, le 4 décembre, on aura David Terry qui sera là. Ça va être vraiment quelque chose de fort. Donc si vous pouvez venir, venez. C'est vraiment des moments où on voit Dieu agir puissamment. Et invitez vos amis, dites-leur peut-être si vous avez des amis à l'étranger de se connecter durant cette soirée. On a vécu des miracles extraordinaires. Donc venez, ça va être vraiment quelque chose de très, très bon. Et ma dernière annonce, c'est il y a Gospel Diffusion. C'est l'occasion de pouvoir acheter des cadeaux de Noël. Et un des livres que j'ai envie de vous présenter, qui me tient particulièrement à cœur, c'est le livre d'un couple qui est pionnier et qui a été une très, 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 très grande inspiration pour ma vie. Et c'est mes grands-parents. C'est Guy et Denise Chautin. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de leur nom. Guy et Denise ont été pasteurs dans plusieurs églises, la première à la Vallée de Joux, ensuite à la cathédrale de Lausanne et ensuite au Mont-sur-Lausanne. Et ils ont écrit un livre où ils parlent en fait de leur histoire. Je le tiens dans le mauvais sens parce qu'en fait, ils ont fait quelque chose de très intéressant. Vu qu'ils n'ont pas le même style d'écriture et pas les mêmes récits, ils ont écrit d'un côté l'histoire de ma grand-maman et de l'autre côté l'histoire de mon grand-papa. Donc c'est un livre qui se lit dans les deux sens, et vous pouvez lire, et des histoires vraiment extraordinaires, des histoires qui vous bouleverseraient. L'une d'entre elles, pour vous raconter quelque chose, ils faisaient à l'époque du porte-à-porte. Ici on ne fait plus vraiment, hein. Peut-être qu'on pourrait s'y remettre, de faire du porte-à-porte. Puis ils allaient en fait à Lausanne, dans les bâtiments, et l'un des bâtiments où ils étaient allés faire, mon grand-papa et un stagiaire, ils étaient allés, alors ils prenaient l'ascenseur, ils montaient tout en haut du bâtiment, puis après ils descendaient à pied, c'est plus simple que de monter. Et ils toquaient aux portes comme ça, et ils ont vécu des choses extraordinaires. Mais ils ont fait une rencontre d'une personne, d'une femme qui le disait elle-même, était mariée à Satan, qui faisait de l'occultisme, qui faisait du satanisme, qui était une voyante, etc., etc. Et ayant parlé avec eux, mon grand-papa l'a aussi un peu confronté au niveau spirituel. Et le lendemain, elle a téléphoné, elle a dit « J'aimerais parler au pasteur ». Mais pas aux jeunes qui ne croient pas au monde spirituel. J'aimerais parler au celui qui est plus vieux, celui qui m'a parlé de ça. Et il a pu parler avec cette dame qui était très, très extravagante aussi, qui avait des tenues très intenses, on va dire ça comme ça. Et ayant parlé avec elle, elle a dit « J'ai besoin de faire quelque chose ». Alors il a téléphoné aux sœurs de Saint-Loup.
Et puis les sœurs de Saint-Loup n'étaient pas très partantes de recevoir une femme comme ça, qui était aussi un peu dans la prostitution, malheureusement. Et il a un peu insisté, puis il a réussi à envoyer chez ses sœurs cette femme qui était encore à ce moment-là dans le satanisme. Et puis il l'a envoyée là-bas. Et la première nuit, elle a eu un rêve où Dieu le Père s'est révélé à elle. Elle n'avait jamais entendu parler. Dieu le Père s'est révélé à elle, elle s'est réveillée, elle a dit « J'ai une révélation du Père ». Ensuite, la deuxième nuit, elle a eu un rêve où c'est Jésus qui s'est révélé à elle. Où elle a pu être sauvée et délivrée. Et la troisième nuit, le Saint-Esprit est venu sur elle. Et alors, dans ces trois nuits, après trois nuits, elle a été complètement transformée. Elle faisait des marches de prière à Saint-Loup, si vous êtes déjà allé. Elle faisait des marches de prière. Et puis, elle avait toutes ses alliances, toutes les alliances qu'elle avait faites avec les démons, avec Satan. Et le long du chemin, elle jetait ses alliances. Elle revenait, elle est revenue à la fin de ses marches de prière, complètement libérée, complètement transformée. Et cette femme, encore aujourd'hui, c'est une femme qui intercède énormément, qui est engagée, qui contacte toutes les semaines mes grands-parents. Elle prie pour nous, pour notre famille. Voilà, ça c'est un des témoignages qui est raconté dans ce livre. Et ils en ont des dizaines et des dizaines, donc je vous encourage à aller le lire. C'est des pionniers en Suisse romande, on peut le dire, pour ça, qui ont été travaillés longtemps dans l'Église réformée. Donc vraiment, vraiment quelque chose d'extraordinaire, qui ont vécu des réveils. Voilà, c'est en quelques mots. Donc allez le lire, vous aurez plus de choses. C'est pour moi un privilège d'accueillir un autre pionnier en Suisse romande, c'est Werner. Merci Werner, on se réjouit vraiment d'écouter ce que tu as sur ton cœur. Bonjour à chacun et chacune. Plaisir de m'adresser à vous. Bonjour à ceux qui sont en live de la Suisse romande, des amis de France, de Belgique. Bienvenue. On vous encourage à vous connecter au Seigneur. J'aimerais ce matin partager sur le thème suivant. Et peut-être juste pour l'introduire, je veux utiliser un petit scénario. Ok, vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas, vous voulez passer la nuit, et enfin vous trouvez l'avenue où il y a les différents hôtels. Sur votre gauche, il y a un hôtel, il y a une étoile pendue au mur, mais elle n'est pas vraiment accrochée, elle est pendue par les fils électriques. Au rez, il y a une vitre qui est cassée. La cour, elle n'a pas été balayée depuis fort longtemps. Bon, c'est pas cher, ça coûte 38 euros. Puis vous regardez à droite, puis là, vous voyez un hôtel 5 étoiles. Puis par chance, il est au même prix que celui qui a une étoile mal fixée au mur. Vous allez où? Qui c'est qui va aller dans le 1 étoile? Ah, il n'y a pas d'amateur pour les 5 étoiles. Il y a des amateurs pour 5 étoiles. Ok, c'est bon. Alors, je peux continuer mon message. J'aimerais vous parler ce matin de l'église 5 étoiles. Vous savez que Jésus en parle, hein, dans l'Écriture. Vous avez déjà lu ça? Ah ben, vous n'avez pas bien lu votre Bible. Donc, on veut regarder je crois qu'il y a une intention de Dieu pour qu'on puisse vraiment fonctionner avec des églises 5 étoiles. Alors, moi, je suis très réjoui. Je vois qu'on a repeint le bâtiment, on a fait très joli. Je suis très, très content pour ça. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas seulement juste l'extérieur. Hein. Il veut faire l'intérieur. Puis l'intérieur, ben, c'est chacune d'entre nous aussi. Hein. J'aimerais pas seulement une église. L'église 5 étoiles, ça implique qu'il y ait des personnes 5 étoiles. Alors, je ne sais pas combien il y en a qui sont crochés là, sur votre couronne ou sur votre veste, mais voici ce que je pense concernant l'église 5 étoiles. J'aimerais mentionner ces 5 premières étoiles, je vais mentionner 5 autres après. C'est l'ordre missionnaire de Jésus. C'est lorsqu'il envoie les 72 disciples, deux par deux, ça fait 36 équipes qui partent. Et Jésus leur dit ce qu'ils doivent faire. Première étoile, allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche. Deuxième étoile, guérissez les malades. Troisième étoile, ressuscitez les morts. Quatrième étoile, purifiez les lépreux. Cinquième étoile, chassez les démons. Waouh, quel programme. Tout ça, c'est dans le même panier. Hein? C'est dans le même verset, mais c'est l'envoi de Jésus, de ses disciples dans leur mission.
Je crois que chacun, chacune d'entre nous, nous devons rechercher à réaliser cet ordre missionnaire. Si on veut être une église 5 étoiles, il faut que chacun d'entre nous en soit capable. Ici, Jésus dit, allez vite, le royaume des cieux est proche. Mais il faut comprendre ici, on est dans les évangiles. Quand Jésus dit le royaume de Dieu est proche, c'est qu'il n'est pas encore accessible. Mais depuis que Jésus était à la croix, le royaume de Dieu est accessible pour chaque être humain. Donc il faut dire plus que seulement le royaume de Dieu proche, il faut dire tu peux rentrer au paradis, tu peux rentrer dans le royaume de Dieu. Quand vous parlez avec des non-chrétiens, vous parlez du royaume de Dieu, ils ne savent pas de quoi vous leur parlez. Mais habituellement, quand vous parlez paradis ou enfer, ils savent de quoi on parle. J'étais avec un couple récemment, et puis j'ai bien vu qu'ils n'étaient pas dans le Seigneur, il y avait la guerre à la maison, et puis j'ai dit, vous êtes sauvés? Est-ce que vous êtes nés de nouveau? Il dit, on ne comprend pas la question. Est-ce que vous êtes sauvés? On ne comprend pas toujours pas la question. J'ai dit, vous voulez aller au paradis ou en enfer? Ah, si on peut choisir, on préfère le paradis. Donc, il faut parler le langage de ceux qui nous côtoient et de temps en temps poser les bonnes questions. Chaque chrétien doit être capable de montrer le chemin pour aller dans le royaume de Dieu. Rappelez-vous de ces 4 choses, travaillez-les, réfléchissez-les, développez, lisez la parole de Dieu. Vous devez annoncer le changement de vie, qui peut aussi s'appeler la repentance, la foi en Jésus-Christ, le baptême d'eau et le baptême de l'Esprit. Sur ces 4 thèmes, je peux enseigner environ 2 heures de temps. Mais j'aimerais juste mentionner, chacun d'entre nous, on est capable et on doit montrer, on ne peut pas contraindre les gens de rentrer dans le royaume de Dieu, mais nous avons une responsabilité. Le monde autour de nous est en droit d'attendre 3 choses de notre part. La première chose, c'est qu'on puisse leur montrer le chemin pour aller dans le royaume de Dieu. Ils ont le droit de savoir. La plupart ne savent pas. Ils disent, moi, je dois aller dans une église, je dois être catholique, je dois être protestant, je dois être ceci, peut-être en étant évangélique, j'irai. Mais tu n'iras pas au paradis parce que tu es évangélique. Tu iras au paradis parce que tu es rentré dans le royaume de Dieu au travers de la nouvelle naissance. La deuxième chose que le monde il a le droit d'attendre de nous, c'est de voir des hommes et des femmes qui ont été transformés par l'Évangile. Pas des gens qui essayent d'avoir l'habit du dimanche puis l'habit de la semaine. C'est-à-dire que le dimanche, on a l'air très, très saint, puis la semaine, on vit un peu n'importe comment. Non, il faut qu'ils voient des gens qui ont été transformés, pas des gens qui disent « je suis parfait », parce que dans notre humanité, on n'est pas encore parfait. On est parfait en Christ. Mais ils ont le droit de voir des gens qui ont été transformés. Et là où on le voit le plus, c'est quand on est mis sous pression. Si vous voulez savoir ce qu'il y a à l'intérieur du citron, il faut le presser. Et des fois, les circonstances de nos vies nous pressent. Mais c'est quand on est sous la pression qu'on va voir ce qu'il y a tout au fond de nous. Et puis les gens autour de nous sont en droit d'attendre une troisième chose, c'est une manifestation de la puissance de Dieu. Nous sommes tous trop faibles dans ces domaines-là. On va regarder comment évoluer. Bon, quand il dit « Allez, dites le royaume de Dieu proche », c'est bon. Guérissez les malades. On est en train de progresser et je souhaite que vous y participez et je souhaite que vous y aspirez en disant « Je veux continuer à prier pour les malades. » Vous les réussir, apprenez à échouer et à rebondir. Et ne vous arrêtez pas parce que vous avez échoué 10 fois, continuez et vous commencerez à avoir du succès. Pourquoi ? Parce que votre foi va s'étendre. Votre foi va prendre de la force. Alors, dans un premier temps, notre foi, des fois, elle est un peu cassée. On dit, Seigneur, j'ai mis tout mon espoir pour prier pour cette personne, puis elle n'a pas été guérie. Et oui, c'est des vraies choses qui arrivent. Il y a une part souveraineté de Dieu, mais des fois, il y a aussi notre faiblesse humaine, puis notre incrédulité, puis on essaye, mais on n'a pas vraiment la foi. Mais nous voulons étendre la foi pour que le surnaturel de Dieu soit manifesté de plus en plus. Il faut impérativement que la prédication de l'Évangile soit accompagnée de signes et de miracles. Quand il dit ressusciter les morts, on ne peut pas trop faire les malins parce qu'on n'a pas beaucoup ressuscité en Suisse romande. Moi, j'ai essayé 1 ou 2 fois. Mais je pense qu'il y a 2 significations quand on a dans ce texte. Il faut qu'on soit honnête. Je pense que Jésus parle, quand il parle des morts, je pense qu'il parle des morts. Mais on sait bien aussi que quand les gens ne sont pas en Christ spirituellement, ils sont morts. Donc, il faut s'occuper de ces gens, excusez-moi, de ces gens qui sont loin de Dieu pour qu'ils puissent s'approcher de Dieu et qu'ils puissent entendre la bonne nouvelle et venir à la vie. Mais si Ézéchiel a pu prophétiser sur les ossements desséchés pour qu'ils reprennent vie
et qu'il a commencé à prophétiser sur eux, c'est des choses que nous pouvons faire sur cette génération qui en a tant besoin. Purifier les lépreux, il n'y a peut-être pas beaucoup de lépreux chez nous, mais il y a beaucoup de sida aujourd'hui. Alors on a trouvé des remèdes, etc. La science fait son travail, la médecine fait son travail, mais j'aimerais qu'on soit hardi. J'ai beaucoup aimé une chose que tu disais tout à l'heure, Jérémy. Tu as dit, poussons les choses un peu plus loin. Je pense que si on va arriver à être une église 5 étoiles, nous allons devoir faire un deuxième mille. Et puis des fois, on essaye, on prie un petit moment, puis on dit, ben voilà, j'ai fait ma prière, c'est terminé. Oui, mais si tu avais été un cran plus loin, tout à coup, tu aurais peut-être vu le ciel s'ouvrir. Et tout à coup, ta foi va prendre de l'extension, parce que tu pousses un cran plus loin. Et je vous encourage, je nous encourage à être ces personnes qui vont faire une étape de plus. Est-ce que vous voulez marcher dans ces choses-là? Est-ce qu'on veut devenir des chrétiens 5 étoiles, pas plein d'orgueil, hein? Parce que ça ne va pas marcher. Dieu va résister aux orgueilleux. Dieu va faire grâce aux humbles. On veut que ces étoiles aient glorifié qui? Pas nos vies, elles glorifient le Seigneur. Un jour, nous serons proches de lui, nous aurons des comptes à rendre et nous serons récompensés pour tout ce qu'on a entrepris, pour tout, là où on a ouvert des voies nouvelles, là où on était à 1 000 de plus loin. Si on veut que ces 5 étoiles ne soient pas seulement crochées au mur, mais qu'elles s'allument, nous devons aller dans un autre aspect des 5 étoiles. Cette parole dont on a déjà parlé ici, je tiens à y revenir parce que Dieu m'a parlé de cela cette semaine. C'est Éphésiens 4:11, que vous connaissez tous, je suppose. Il est dit que Christ a donné les uns comme apôtres. Nicolas est établi comme ministère apostolique ici dans cette église, mais ce n'est pas. Ensuite, je fais une chose après l'autre, j'ai plein de pensées qui viennent, alors il faut qu'elles s'alignent un tout petit peu. Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, d'autres comme docteurs et pasteurs. 5 ministères. Si on veut être une église où une église 5 étoiles, il faut que ces 5 ministères fonctionnent. Mais ce n'est pas 5 personnes. C'est un faux concept. On peut mettre les 5 ministères et les placer les 5 ici devant, puis dire voilà, maintenant on a les 5 ministères dans l'église. Ça ne sera toujours pas une église 5 étoiles. L'église 5 étoiles va devenir s'il y a 50 ou 100 ministères apostoliques. Et il faut comprendre quelque chose qu'on n'a pas compris jusqu'à aujourd'hui. On a compris pour les prophètes. Il y a un niveau. On parle du don prophétique. OK? Et ensuite, on parle du ministère prophétique. C'est deux choses différentes. Ici, il y a beaucoup de gens qui ont un don prophétique. Et certains vont pouvoir être établis dans un ministère de prophète. On ne va pas avoir 50 apôtres dans l'Église qui sont tous établis en tant qu'apôtres, mais tu peux avoir un don apostolique. Tu peux avoir un don prophétique sans forcément avoir été établi comme ministère d'évangéliste. Mais tu as un don d'évangéliste. Tu as un don pastoral. Tu as un don prophétique. Tu as un don doctorant, quelqu'un qui est de l'enseignant. Et je vous encourage, frères et sœurs, pourquoi ces 5 ministères? Parce que ces 5 facettes ministérielles, elles sont parmi nous dans le corps de Christ. Et tu ne vas pas dire, ah ben voilà, moi si j'ai un problème, si jamais je vais voir le prophète, puis si j'ai un autre problème, je vais voir l'apôtre, puis si j'ai encore un autre problème, je vais voir le pasteur, ou peut-être éventuellement l'évangéliste, parce que je veux qu'il aille évangéliser à quelque part. Non, vous devez chercher quelle est la chose qui vous touche le plus et dans laquelle vous voulez devenir excellent. On n'est pas tous bons dans ces 5 ministères, mais on a tous un appel ministériel. Alors on a eu de la confusion à un moment donné, parce qu'il y a un test qui s'est fait en Suisse romande, où tu pouvais faire le test, c'est pour savoir si tu es apôtre, prophète, docteur, enseignant, pasteur, etc. Et puis ça crée un peu de la confusion. Et je crois que la confusion elle est venue, les gens disaient, moi je suis apôtre, mais jamais personne n'a établi apôtre, etc. Donc comprenez que le ministère, il existe avant d'avoir été établi. Et si tu as un ministère, on va dire maintenant apostolique, moi je pense qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ont des ministères, des appels apostoliques. Ça ne va pas dire que demain on va vous établir dans l'église, on ne va pas avoir 50 apôtres établis, puis 50 prophètes, etc. Sinon ça risque d'être le désordre. Mais on peut servir dans ces dons-là, sans forcément dire, tiens, j'ai besoin d'être établi dans l'église, qu'on me reconnaisse. L'essentiel, c'est que nous fassions le travail. Et si ces 5 ministères non seulement sont établis, et je pense qu'on est en route vers cela, hein, on a un apôtre, on a un pasteur, on a un bon évangéliste avec Jean-Luc,
Il y a toute une troupe de prophètes qui sont là. Je pense qu'un domaine où on est un tout petit peu pauvre, c'est le domaine de l'enseignement, du docteur, de celui qui pioche la parole de Dieu. Et je vous encourage à prier pour cela et puis dire, Seigneur, je veux aller plus loin, je veux grandir, parce qu'on veut que Dieu puisse non seulement crocher les étoiles au mur d'une église, mais qu'elles soient manifestées d'une façon concrète. Et je crois que c'est l'une des manières dont Dieu veut manifester ces 5 étoiles pour qu'elles soient une réalité. Bien sûr que des fois, il y a certaines étoiles qui s'éteignent. Je vais vous montrer un exemple. Je pense que là, il y a 3 étoiles sur 5 qui sont éteintes. Après, ça dépend de ce qu'on fait après. Est-ce qu'on cherche à les rallumer ou est-ce qu'on les laisse éteintes? Dans Marc 9, je pense qu'il y a, moi je dirais 3 étoiles sur 5 qui sont éteintes. C'est Jésus qui parle avec ses disciples. Quelqu'un avait été amené pour qu'il guérisse un enfant. Et puis Jésus leur dit, « Race incrédule, dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? » Là, tu as les étoiles qui s'éteignent un tout petit peu. Hein? Mais ça ne veut pas dire qu'elles doivent rester éteintes, parce que les disciples se sont repris après. Après, d'ailleurs, ils ont des questions à Jésus. Ils disent, « Jésus, pourquoi ?» Puis Jésus, ensuite, va guérir l'enfant. Et puis, ils ont quand même une question à Jésus. Ils disent, pourquoi ça marche avec toi, puis ça ne marche pas avec nous? Et puis, Jésus leur dit, cette sorte d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Alors, j'aimerais vous donner un secret. Je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné ici. La plupart des chrétiens ont compris qu'il s'agit de l'enfant dont Jésus parle, qu'il faut jeûner et prier pour que l'esprit sorte. Je pense que Jésus est en train de parler des disciples et de leur incrédulité, et qu'il faut jeûner et prier pour que l'incrédulité s'en aille. Nous sommes tous confrontés, à un moment donné, à l'incrédulité, au doute, ou notre foi a l'impression qu'elle n'a pas la dimension qu'il faudrait pour qu'on puisse faire ce qu'on est appelé à faire. Et je crois que le jeûne, la prière, la détermination de dire, Seigneur, on ne lâchera pas le morceau. Vous savez, quand vous regardez ces gens qui ont été des pionniers, des gens qui ont ouvert des voies, etc., ce sont toujours des gens qui avaient une détermination. Et la particularité, c'est qu'ils ne s'arrêtaient pas quand ils échouaient. Ils poursuivaient. Quand j'ai parlé avec David Hogan en Afrique, dans son team, ils ont eu un peu plus de 500 résurrections. Certains disent que ce n'est pas vrai. Moi, j'ai parlé avec lui et j'ai écouté son cœur. Et j'ai vu les combats qu'il a livrés. Et il m'a raconté un peu comment ça a débuté. Et quand je lui ai dit, dis-moi comment on fait pour ressusciter les morts, parce que ça peut toujours être utile de savoir un peu comment il faut faire, parce que nous, on n'a pas beaucoup d'expérience. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Warner, number one, tu dois apprendre à échouer, sinon tu ne pourras jamais réussir. Waouh! On n'aime pas tant ça, nous, on aimerait réussir tout de suite. Puis après, tu apprends parfois à échouer, mais tu continues de faire ce que le maître t'a demandé de faire, et tu vas voir qu'il y a des nouvelles étoiles qui vont commencer à s'allumer. Et on peut devenir cette église 5 étoiles qui accomplit pleinement cet ordre missionnaire. Vous savez, il faut un changement majeur dans le christianisme aujourd'hui. On sait tous qu'on est dans la fin des temps. Hein? Bon, on y est depuis longtemps, je suis d'accord. Mais on est plus près qu'on n'a jamais été. Hein? Ça veut dire qu'il ne nous reste pas énormément de temps. Ça serait bête qu'on arrive devant le Seigneur en se mordant les doigts, en se disant, mais si on avait su qu'il n'y avait pas plus de temps que ça, on aurait fait plus d'efforts. Donc j'aimerais vous encourager à ranimer quelque chose à l'intérieur de vous. Puis à dire, Seigneur, on veut chercher la face de Dieu. On veut prier. La semaine passée, j'étais en contact avec Mika Gerber, qui est à la Béroche. Et il est arrêté pour des questions de santé, le Covid long, etc., de l'eau dans les poumons. Le médecin a dit, il faut arrêter un moment, il faut rester un peu tranquille. Et la semaine passée, il m'a dit, Werner, je me suis mis à prier comme je n'ai jamais prié. Et il m'a dit, on commence à voir des choses qu'on n'a jamais vues. Peut-être qu'on doit même changer un tout petit peu notre prière. On a tendance les uns et les autres à faire toujours un petit peu la même prière, le même style de prière. Mais peut-être qu'il faut qu'on ait une prière un peu plus agressive. Pas contre Dieu, on n'a pas tellement besoin de dire à Dieu ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il doit faire.
mais il y en a un qui va faire tout ce qui est en son pouvoir pour nous empêcher de faire ce que nous devons faire. Et là, nous devons avoir une prière un peu plus agressive, puis dit le diable, recule, dégage mon chemin, je vais passer par là. Donc, si on veut un changement majeur, il faut qu'il y ait des décisions majeures dans chacune de nos vies. Alors, il y a deux choses qu'il faut faire. Quand on écoute l'apôtre Pierre, il dit, Dieu vous a donné tout ce qui contribue à la foi et à la piété. Dieu vous a donné tout ce que vous avez besoin. Et juste derrière, l'apôtre Pierre vient, il dit, faites tous vos efforts. Hello! Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin, mais Dieu nous dit, fais tous tes efforts, sinon tu ne rentreras pas dans les choses que Dieu a préparées pour toi. Et je crois que c'est le temps plus que jamais pour dire, Seigneur, on veut marcher dans l'onction et dans la puissance de Dieu pour manifester la réalité du royaume de Dieu. Si vous saviez, j'ai lancé cette formation à la délivrance. Je n'ai pas osé ouvrir ma boîte mail hier. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je vais y revenir. Cette semaine, je vais prêcher. Je vais y revenir cette semaine. On n'a pas compris quelque chose. Les chrétiens. Là, je parle des chrétiens. Si vous avez besoin de délivrance, et on y est, j'ai ma part de responsabilité là-dedans, la plupart des gens, sûrement, ils courent chez Jean-Marc Bigler, éventuellement chez moi, en second lieu. Mais ça ne va pas. On ne va pas progresser. On va rester faible. Jésus, quand il envoie ses disciples chasser les démons, il ne dit pas, si jamais vous avez un problème, vous allez voir Pierre, parce que lui, c'est le spécialiste pour chasser les démons. Il dit à tous ses disciples, chassez les démons. Et si tu veux devenir fort, commence à prendre autorité, ce qui te bloque dans ta vie, ce qui t'empêche, les esprits méchants qui sont imprimés dans tes pensées, dans ton cœur, dans tes tripes. Et tu dis, tu dégages dans le nom de Jésus. Parce que si vous commencez à faire la guerre, vous allez devenir fort. Dans 2 Samuel 3, il est dit que la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. La maison de Saül allait en s'affaiblissant et la maison de David allait en s'affermissant de plus en plus. Pourquoi ? Comment il est devenu fort, David ? C'était pas juste en s'amusant avec sa fronde et puis en laissant les troupeaux aller où ils voulaient. Et moi, je ne sais pas si vous avez imaginé, il est en train de s'occuper du troupeau de son père. Il y a un lion qui vient prendre un agneau. Tu dis, s'il prend qu'un agneau, puis que moi je quitte, mange ton agneau, puis retourne dans ta forêt. Hein? Mais David, il n'a pas réagi comme ça. Il a dit, non, le lion ne va pas me piquer un agneau, puis l'ours non plus. Puis s'ils attaquent une de mes bêtes, je vais les confronter et je vais me battre contre elles. C'est pour ça qu'il est devenu fort. C'est pour ça qu'il a osé confronter Goliath quand le moment est venu, puis que Goliath sortait du camp des Philistins pour défier l'armée d'Israël. Tu veux devenir fort, mon frère, ma sœur? Et je vais le dire cette semaine aux chrétiens, tu dois apprendre à combattre. Tu dois apprendre. Certains me disent, ouais, mais moi, le combat, je ne suis pas tellement fait pour le combat. Quand tu gueules contre ta femme ou contre ton mari, tu sais faire le combat. Et mets pas ton énergie pour te bagarrer contre tes proches, mets ton énergie pour te bagarrer contre ton ennemi, le diable, pour que la gloire de Dieu revienne dans ce monde, pour que la puissance de Dieu soit manifestée. Quand Jésus fait son dernier envoi, les deux derniers versets de Matthieu 28, Jésus dit, je vais le dire, tiens, comme ça je le déformerai pas. Jésus s'étant approché leur dit ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Ouais, ben c'est pas mal, mais il vous l'a transmis, je crois. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce que Jésus dit en substance ? Dépeuplez l'enfer et peuplez le ciel. Il faut que ces gens qui ne savent plus où est leur gauche et leur droite spirituellement, qu'ils découvrent qu'il y a un Dieu vivant qui veut se révéler. Et j'aspire à cette église Sainte-Étoile où le surnaturel n'est plus quelque chose de spécial, mais quelque chose de normal. Nous avons un problème avec la mission, partout. Puis je tiens à dire juste une chose en passant, tu peux courir à l'autre bout du monde, si tu n'as pas de succès ici, tu n'en auras pas là-bas. Ça va te former d'aller un peu ailleurs. Moi, ça m'a beaucoup formé parce que j'étais... Vous savez, des fois, quand on est lancé dans l'eau puis qu'on ne sait pas bien nager, ben, malgré tout, c'est comme ça qu'on apprend. Tant que tu restes sur le bord et tu touches avec le pied comme ça, tu ne vas pas apprendre à nager. Hein.
Mais on a un problème avec la mission, je vais vous dire lequel. Alors, je suis très content de l'action de Noël qui est faite en faveur de ces deux missions. Elles font un super travail. Mais partout, la mission chrétienne s'est tournée vers le travail social. Partout. La mission, c'est de s'occuper des pauvres, c'est leur donner à manger. Ce n'est pas l'ordre premier, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire cela. Ce n'est pas l'ordre premier missionnaire que Jésus a donné à l'Église. L'ordre premier, c'est de dire où est le royaume de Dieu et comment on y rentre. C'est de manifester la puissance de Dieu. Quand on lit 2 Corinthiens 4, verset 20, il est dit « Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » Est-ce que vous voulez avoir cette puissance? Ceux qui veulent avoir cette puissance de Dieu, je vous invite à vous lever devant le Seigneur, pas seulement devant moi, mais dire « Seigneur, devant toi, je me lève. Je veux être vide de cette onction, de cette puissance de Dieu. Seigneur Jésus, je veux... Nous sommes devant toi, moi comme mes frères et sœurs qui sont ici. Nous reconnaissons, Seigneur, notre faiblesse. Nous reconnaissons, Seigneur, que... Les étoiles, elles ne sont pas allumées comme elles devraient l'être. C'est toi qui es le créateur des étoiles. C'est toi qui es notre créateur. Seigneur, je prie que tu viennes nous revêtir d'un feu nouveau pour te servir. Et le Seigneur te dit ce matin, je veux te libérer. Je veux te redonner ce qui t'a été volé, cet enthousiasme, ce zèle. Je veux briser ce stress, ce tourment, cette inquiétude, cette peur qui est venue sur toi. Je veux te redonner la force du jeune lion qui va oser sortir de sa tanière, qui va oser aller chercher sa proie, qu'on soit capable d'accomplir ce que Dieu veut qu'on accomplisse. J'appelle sur vous, mes frères et sœurs, une manifestation de la puissance de Dieu pour que nous puissions être une église 5 étoiles, pas pour briller avec une gloire humaine, mais pour que Dieu soit glorifié. Dans le nom de Jésus, je prends autorité sur toute maladie, je prends autorité sur toutes ces peurs, sur tout ce qui veut nous amener à nous asseoir et à rester tranquille. Seigneur, nous ne voulons pas juste établir 5 ministères, nous voulons que toute l'Église devienne ministérielle, que chacun découvre la veine ministérielle qui est la sienne et que chacun puisse accomplir ce qu'il a accompli dans le nom de Jésus. J'appelle la grâce de Dieu, j'appelle un zèle nouveau, j'appelle, Seigneur, une capacité. Donne-nous aux uns aux autres une capacité de faire des choix. Et on sait, Seigneur, que choisir, c'est renoncer. Et c'est dire qu'on va renoncer à quelque chose parce qu'on veut mettre plus de force dans autre chose. Seigneur Jésus, fais-nous cette grâce. Fais-nous cette grâce. Nous voulons que ton nom soit glorifié. Nous voulons que la puissance de ton royaume ne consiste pas en paroles, mais en puissance de Dieu, dans le nom de Jésus. Et le Seigneur dit ce matin, je viens comme ensemencer ta vie. Je viens ensemencer vos vies, vous qui nous suivez sur YouTube, sur Facebook ou sur Instagram. Dieu veut venir ensemencer vos vies avec un nouveau zèle, avec une nouvelle onction pour que tu puisses faire partie. Parce que l'Église 5 étoiles, ce n'est pas un lieu. L'Église 5 étoiles, c'est là où les hommes et les femmes vont se lever, vont marcher pour la gloire de Dieu jusqu'au bout. Coûte que coûte, jusqu'à ce que Christ vienne instaurer son règne. Et il vient bientôt. Seigneur, merci de réveiller, réveille nos esprits. Aide-nous à sortir, Seigneur, de nos habitudes, de nos traditions humaines. Je veux briser, Seigneur, tout ce qui fait obstacle pour que nous puissions marcher dans la puissance de Dieu. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Je veux prier ce matin. Pour tous ceux qui sont malades, je ne veux pas lire les paroles connaissances, j'ai toute une série de paroles connaissances que j'ai écrites, mais j'aimerais prier pour tous ceux qui sont malades. J'aimerais que vous mettiez votre main là où est votre douleur, là où est votre besoin. Et puis si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre tête et je prie qu'il y ait une onction de Dieu qui vienne sur vous. J'ordonne à la maladie. Maladie, tu étais vaincu à Golgotha. Christ s'est chargé de nos maladies comme il s'est chargé de nos péchés. Maladie, tu quittes les corps dans le nom de Jésus. Tu quittes le corps de Sophie. Tu quittes le corps de Christine. Seigneur, tu quittes nos corps, nous qui sommes ici, vous qui êtes sur le live, dans le nom de Jésus. Puissance de mort, puissance de maladie, je te réprime, je te chasse. Tu lâches ton emprise, j'ordonne à la douleur de sortir de vos corps. Douleur, tu t'en vas. Je te confronte dans l'autorité du nom de Jésus. Que la gloire de Dieu vienne, que la bonne santé s'installe,
que ces migraines, que ces douleurs dans ton corps disparaissent dans le nom de Jésus. Vous n'avez pas de droit de résidence dans nos corps. Nous appartenons à Jésus-Christ. Nous sommes au bénéfice de ses meurtrissures. Nous sommes au bénéfice de son sang versé qui nous a rachetés. Alors ne te permettons pas, diable, de nous tourmenter d'aucune manière. Nous voulons marcher dans la santé et nous voulons apporter la santé. Nous voulons apporter la faveur de Dieu là où nous portons nos pas, dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie que ces dons spirituels, on n'en a pas parlé ce matin, mais je prie que les dons spirituels, Seigneur, on puisse en prendre possession. On puisse commencer pas seulement demander à Dieu de vous les donner, il va vous les donner. Prenez possession de ce que Dieu a déposé dans vos cœurs. Les uns, c'est de guérir les malades. C'est d'autres, c'est d'avoir une nouvelle mesure, un don de foi, un don pour les miracles, un don pour les paroles de connaissance, paroles de sagesse, discernement des esprits, prophétique, parler en langue, interprétation des langues. Emparez-vous. Le Seigneur dit, empare-toi des dons que j'ai préparés pour toi. Et les dons qu'il a préparés, c'est ceux qui habitent ici au fond de toi et auxquels tu aspires. Et je prie que ces dons soient activés dans ta vie. Ça ne reste pas juste un vœu pieux. Ah oui, j'aimerais bien avoir le don de guérison. Seigneur, je prie qu'il soit activé par la puissance de ton Esprit Saint dans nos vies. Viens faire cet électrochoc dont nous avons besoin, Seigneur, pour que ce que le diable a réussi à étouffer à l'intérieur de nous, là où le diable nous a fait reculer, que nous puissions tout à nouveau nous relever et que nous puissions dire, Seigneur, on va marcher dans la puissance de Dieu pour que Dieu soit glorifié, pour que cette génération sache qu'il y a un Dieu qui les aime, un Dieu qui veut les faire rentrer dans son royaume. Merci, Seigneur Jésus, on te donne la gloire. Et Seigneur, préserve-nous. On veut rester humbles parce que tu fais grâce aux humbles. Mais on ne veut pas rester dans une humilité qui est fausse, qui est timide, qui est craintive, qui est cachée. On veut se lever comme des fils et des filles du roi des rois. Amen. J'aimerais vous remercier de votre attention. Merci à ceux qui nous ont suivis en live. Que Dieu vous bénisse. Et vous ne pouvez pas continuer demain comme vous avez fait hier. Demandez à Dieu quels sont les changements majeurs qui doivent être opérés dans vos vies. Quelles sont les décisions que vous devez prendre. Comment vous allez vous emparer de ce que Dieu a préparé pour vous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Prendre un dernier chant.
chante un peu plus fort. On 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 chante un peu plus fort. Chante un peu plus fort. En présence de mes ennemis. Chante un peu plus fort. Plus fort que les doutes en moi. On chante un peu plus fort. Alléluia, merci, merci à chacun, merci à Werner pour ce merveilleux message d'autorité. Mettez-le en pratique, merci à l'équipe de louanges, merci à l'équipe technique. On vous donne rendez-vous dimanche prochain avec comme oratrice Sophie Bernard du Gospel Center Yverdon. On aura là toute la série de Noël, donc invitez vos amis, ça va être des temps bénis. Et si vous êtes là pour la première fois, on a aussi le Gospel Connect, vous pouvez regarder avec eux, connecter avec l'Église, connecter avec ce qui se fait. Et je prie pour chacun de vous, je prie pour cette semaine. Saint-Esprit, nous te remercions de ce temps vécu et nous prions que nous avancions de gloire en gloire durant cette semaine, que nous puissions mettre en pratique ce qui a été prêché et vivre un évangile rempli de puissance. Dans le nom de Jésus, amen. Bon dimanche à chacun.
se vira kini kwa mkaka. Costume studare scola kini kwa pa. Comera kini kwa pa lanchi. Se ira in casa non tem nada. Vou sentir bem. Costumo sentar aí na escola, tá a escrever, essa cabeça tá fazendo assim com fome. Até ir aí, até nós costumamos falar outro dia, assim, para só não queremos ir quando estamos com fome. Tenho certeza, se vir aqui a estudar, aí estão cozinhando. Costumo apanhar. Só ainda não recebemos nossas provas.